Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ici T-Prince, je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9, juste à la suite de l'épisode 8. Juste derrière, je tourne à la suite de l'épisode 8. Donc, on se retrouve pour l'épisode 9. Et on est parti, nous avions la dernière fois passé, enfin, dans l'épisode précédent, nous avons passé, si je me souviens, vu que c'était tout frais de tout à l'heure, Agartha. C'est ça, nous avons donc réussi à trouver, comment ça, j'ai pas trouvé une amélioration d'arme introuvable. Ok, introuvable, parfait, c'est pas que je l'ai pas trouvé, c'est qu'elle était pas déverrouillable apparemment. Mais du coup, il semblerait que il y ait eu une victoire totale, comme vous le voyez. On a trouvé la gemme de vie, les deux gemmes de pouvoir de l'ombre. Et aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le donjon noir. And yet it seems Gabriel is communicating with her in some way. Something tells me she has a part to play in all of this. Ok. Eh bien, on est parti. Donjon noir. Je sais que cette connerie encore. Ok. Ouah ! Non ! L'erreur, j'aurais dû cliquer plus tôt. On peut aller là ? Il y a quelque chose là où il n'y a que des plantes, il n'y a que des plantes nulles. Ok, on descend par là. Là. Il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Merde. Je sautais comme une merde. Mais vas-y. C'est pas par là. Si, c'est juste que j'avais pas assez d'élan, d'accord. Oh, le beau chevalier là-bas qui m'intéresse grandement. Oh, le beau chevalier qui m'intéresse. Sauter en face, ok. On continue. On descend. Descend en bas. Où il faut sauter en face. Pas sauter en face, on est obligé de descendre. Là ça rentre. Moi j'aimerais bien accéder au chevalier que j'ai vu. Comment je fais? Non, je veux accéder à mon chevalier. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah non, je refuse. Ah non, je voulais le chevalier, je l'avais vu là. Pourquoi? Non, meurs. Non. Ah non, hein, c'est pas possible ça. C'est pas possible ça là. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ce délire? Comment je fais pour avoir ce chevalier là? Là? C'est par là que ça se passe. Et si je tombe là, je meurs. Qu'est-ce que c'est que ce délire de merde? Comment j'obtiens mon chevalier? Oh là là. Ah, oh, j'avais pas vu. J'aurais dû le voir. Ok, c'est bien par là du coup.
mon chevalier. Ah, une gemme de lumière, trop cool. Ah, désolé, hein, j'ai rechargé la sauvegarde, les gens, hein, mais y a pas moyen que je passe à côté de ce chevalier. Je l'avais vu, c'est légitime. Et puis en soi, on n'a rien perdu. Il y en avait un autre ici, du coup. Celui-là, il file quoi, un papier? Ouais, un papier. Maudite jambe. Stefano et Michael. Michael avance dans leur périple pour chercher de l'aide. Je suis content que nous fassions équipe, car c'est difficile d'être seul. Stéphanie. Oh là là, mon Dieu. Stefano a une gemme d'ombre qui lui confère d'immenses capacités, mais je crains que cela ne l'ait changé. Il a développé un fort caractère qu'il n'avait pas avant. Et il se délecte du massacre de ces créatures, plus qu'il n'est nécessaire. Mais franchement, je ne devrais pas m'en plaindre. Maintenant qu'il est parti, je me sens vulnérable. Il devrait revenir bientôt, je l'espère. À voir. Eh bien, continuons. Oh ! Mademoiselle. Ah. Mais attendez. C'est... Je vois la taille du gouffre là maintenant, mais... Mais c'est violent le bond qu'elle vient de faire là. Et il faut quoi là? Vous n'avez pas la clé qui active ce mécanisme. D'accord, très bien. Un cadavre ici. Pillons-le. Qu'est-ce que c'est, une gemme? Non, un papier. Du guano de Gremlins. Cela semble répugnant. Mais cette substance était en fait de très grande valeur dans la culture agartienne. La substance est inflammable et brûle lentement. Mais avec une flamme bleutée très chaude. Ses caractéristiques en font une bonne source d'énergie, couramment utilisée au cours de l'ère première de la cité mythique. Tout du moins jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par les cristaux noirs plus puissants. D'accord, ok, donc Agartha, c'est la fameuse cité antique dont parlait la voix off sur les bouquins un peu plus tôt dans les SP. Et toi, c'est quoi? C'est toi le gremlin? C'est ça? Ah oui. Mais non, j'avais pas vu ma vie. J'avais pas vu ma vie. Oh, récupérer le cadavre. Bon, je vais pas vous le dire une deuxième fois. Vous l'avez déjà eu. Ça aussi. Allez. Mais... Allez là. C'est moi tranquille. Voilà. Merci beaucoup. Il y a un trou là derrière. C'est un trou. Oui, il y a un trou. Oui, il y a un truc là. Attendez. C'est un bonus ou c'est... Inquiète. Mais c'est Stefano du coup. Il disait que l'autre disait qu'il avait une gemme d'ombre. Mais du coup voilà, c'est Stefano. Parfait. J'ai mis ici. Ah, ça me brûle. Ah non, merde. Je voulais faire la parade. Bon bah du coup c'est quoi que j'ai récupéré? Qu'est-ce que j'ai récupéré là? Je sais pas. Ah, une clé, d'accord. C'était une clé, très bien. Très bien. Ça nous fait au moins une sur deux. Tac. Bon, une mort dans l'épisode, dégueulasse. Hein.
Ah bah oui. Je vais chercher l'autre clé maintenant. Par là du coup. Vous ne pouvez pas enfoncer cette porte tout seul, très bien. Oh. Raté, c'était à côté. Elle d'abord. Toi aussi tu vas me faire chier. Aouh. Garde un fond de lumière au cas où elle t'empoisonne. Récupère un peu. Oui. C'est bon. Je te tiens. Je te tiens. C'est bon. Barrez-vous. Tirez-vous. Oh que tu m'énerves toi là-haut. Parfait. Toi tu m'énerves toi. Voilà. Allez tu dégages. Génial. Pour essayer que ça se passe. Déjà la fontaine de vie. Et ensuite. Vous avez trouvé une des runes de pierre manquantes du pont. Ok, c'est ça que j'avais pas pu voir tout à l'heure parce que justement du coup. Oh vous commencez à me gaver. Oh là là. Ok, c'est bon. Tout s'était réglé apparemment. Bon, ils me foutent la paix là. Personne d'autre venait me casser les couilles. Bon. J'aimerais pouvoir profiter de mon donjon noir. Merci. Bon. Allez. Continuons donc vers la suite de ce donjon, hein, comme c'est dit. Hein. Pour le coup. Ok. Oui, c'est pour ça que les épisodes durent. Attendez. J'ai rêvé ou... Non, j'ai pas rêvé. L'angle de caméra est juste, mais... Je peux tomber là? Ah non, il fallait que je... D'accord, ok. J'avais bien vu un bout de truc briller. C'était... C'est quoi? Papier? Une gemme d'ombre encore? Mais dis donc, ça régale, ça. C'est cool. C'est plutôt cool, ça. Du coup, il nous en manque plus qu'une pour être à peu près au niveau du... Des gemmes de lumière, mais c'est génial. Enfin, pour être au niveau des gemmes de lumière, c'est génial. Cool, bon. Je vais explorer chaque recoin, hein, je vous le dis. Je vais explorer absolument chaque recoin. Allez. On monte. Ok. Ah, voilà, qui n'annonce pas forcément quelque chose de bon. C'est une gemme. Une source de pouvoir. On va se charger, hein, écoutez, et puis on se fout le power. Et puis go, hein. Mais non. D'accord, fallait juste se tenir au bord de la barrière. Ouais, c'est ça. Putain, contre ma vie. Ah, je m'en doutais, c'était sûr. Économise. Parce que c'est débordé. Plus de magie. Ah. Oula. Bonjour. Oui. On se bat. Apparemment, on se bat. Ah.
ou pas. Dommage. Ça aurait été cool. Did you see the power that resides within those crystals? Le truc que t'as fait, que t'as éclaté là. Really useful in combat. You can find crystal shards scattered all over the place. I often go in search of them. How can I hear your voice? I'm not moving my lips. I have the gift. I can also read minds. Who are you? My name is Claudia. And he is my protector. Claudia, donc. He looks after them. Ok, ça c'est ton, d'accord, ton protecteur du coup, super. T'es quoi, une petite sœur? Ouais, tu sais parler de protecteur, tout ça. Bon, bref, on s'en fout. You seem good somehow, so we won't kill you. I'm relieved to hear it. It's okay. Let me read your thoughts. No! What is it? What's wrong? C'est quoi le souci? You are here to kill the Lords of Shadow and take their power. Mean to save us all and bring the one you love back. I am not afraid. We are coming with you. You won't make it on your own. No, Claudia. I must do this alone. I know the way. You don't. You need me. You need him. Okay. Very well. Okay. Écoute, si tu me laisses pas vraiment le choix. D'accord. Très bien. Eh bien, nous te suivons, Claudia. Ah, victoire! Parfait! Parfait, eh bien, écoutez. C'est génial. Écoutez tout le monde, c'est la fin de l'épisode 9, j'espère à tous qu'il vous aura plu, et puis on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 10. Bon visionnage à tous, à ciao tout le monde, bisous.